Hop, salut tout le monde. Il manque en tout. Voilà, attends. Oh, attends, tout. Hop, il va pas tarder à arriver. Bon. Allez là, ça bug, c'est chiant, putain. Oh là 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 là. Ouais, c'est parti. Salut Silvio, ça va? Bon, ça va nickel. Alors, ça donne quoi? Alors là, classement, bout de vacances de journée. Suis deuxième avec 47 points. Donc ça se passe pas trop mal. Éliminé des coupes, par contre, j'étais éliminé au premier tour. Enfin, troisième tour, enfin. Au premier tour que je suis entré, j'étais éliminé par une des trois.
J'ai fait demi-finale de Carabao Cup, et puis voilà. Bon, je serai sur deux matchs sans gagner, donc bon. Il reste encore tout ça. Ah, Chelsea 11ème, ouais, ils font. Manu, c'est 9. Le classement est un peu bizarre. City, c'est 4. Alors, des cracks, je sais pas, mais ça tourne bien. Ça tourne bien. Je vais te montrer un peu les stats des joueurs. J'ai une très bonne attaque. C'est rien de quoi ton équipe. Ah non, objectivement, c'est meilleur que Rennes dans le jeu en tout cas. Ouais. Ceux qui ont les stats. Voilà, Bailey Ings 14-13 buts, même si Ings je trouve pas terrible. Traoré, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Il est prévu sur le banc et il gère pas trop mal. Hein. Puis voilà. Et au niveau passe, c'est Buendia et McGinn. Enfin voilà les stats un peu, bon là il y a les flashs qui baissent mais. Il fait une bonne saison. Tu prends Ings par exemple, bon. Ouais c'est celui de Leverkusen, ouais. C'est ça. Tu prends Ings par exemple, voilà quoi. C'est pas trop mal. Et Bailey, j'adore. Meilleur joueur pour l'instant de l'équipe. Très bon physique, très bon dribbleur. Voilà quoi. Ah pourquoi ça m'esbug? Putain, ça me saoule. Je vais recharger le thème. Y a rien qui va se voir, des problèmes techniques et tout. Ah ce crack, ouais. Il y a rien qui va. Allez. On va changer le thème. Tac. Ouais. Oh, sinon, si veut, tu live quand demain? Prochain live, c'est Mercato. J'ai regardé vite fait la fin de ton live en rediff. Ah, tu live quand même? Ok. Ok. Donc ça va être full mercato, t'as 3 millions 5 je crois de budget. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. En Ligue 1 c'est juste, mais vu que t'as peau, je pense que ça va. Parce que t'es pas forcément obligé de changer complètement l'équipe, hein. Tu prends 2-3 joueurs en contrat libre, tu payes un mec à 100K et un autre 2 millions, et puis voilà. Hein. Donc tu perds pas trop de joueurs, mais normalement tes joueurs vont pas trop avoir d'offres. Normalement.
Peut-être Good Johnson, mais. Après, je sais pas si je vais vendre cette value ou pas, qui vaut 2 millions 3. Bah ouais. Faut voir la valeur de tes joueurs, si ça vaut le coup de les vendre ou pas. Ouais, faut voir. C'est qu'il fait que de la merde alors qu'il a des stats de bâtard. Bah ouais, bah ça veut rien dire. Hein. Regarde, je sais pas, rien que dans ma partie, je peux te dire que Ings, mon buteur, il a beau avoir des 18 en finition, il loupe 2 penalties sur 3 depuis le début de la partie. Ça veut strictement rien dire. D'un côté, c'est bien, ça veut dire que tu prends un top joueur dans ton équipe. Ça veut pas forcément dire qu'il va faire une bonne saison tout de suite. Après, ça veut peut-être dire que ton Sabali peut faire une bonne saison là, la saison qui va venir. Parce que ton joueur là, ça fait combien de saisons que tu l'as? Une saison ou deux? Sabali. Sabali, tu l'as eu pendant une saison? Attends, je me souviens plus, je crois que t'avais montré en plus. Bon, prochain match contre Man U, c'est Newcastle. Deux matchs avec ça va d'affilée, ouais. Ça m'étonnerait qu'on gagne les deux matchs. Je suis avec eux, mais ils viennent en vocal quand ils veulent. Anto, il vient des fois, et Vince, c'est rare. C'est sûr que c'est mieux de faire du vocal tous ensemble, mais après, chacun fait comme il veut. Oh là là, ça bug. Ah, je sens que ça me saoule, ça. Non, mais t'inquiète pas. C'est vrai qu'on peut se poser la question. De temps ou quoi là? Va dire que ça lag. Incroyable ça, c'est pas ma cause, ça c'est sûr là, j'ai fait un speed test, ça allait mais. Putain. Un ordi qui arrive pas à faire tourner FM correctement, c'est incroyable ça. Ça fait 50 kilos au club. Ah ouais, quand même. Ouais. Au bout de
5 ans quand même, bah, il doit être dans le leader d'équipe, quelque chose comme ça chez toi. Ou juste en dessous. Ou joueur très influent, ouais. Vous savez pas Nottingham, bah ouais, bah franchement, ah, si le sait pas Nottingham, il y a des chances que tu reçoives une offre. Ah, après, je pense que si tu vends 4-5 millions, ça te ferait du bien. Tu l'as eu libre en plus. Très influent, ah ouais. Bah, c'est toi qui vois. Souvent, quand on achète un joueur pendant la et que pendant la saison il est pas très bon, alors que je m'attendais à bien plus de sa part, sachant qu'il a des bonnes stats, souvent je lui laisse une deuxième chance, le temps de s'intégrer entre guillemets. Je sais pas si ça compte dans le jeu, mais et vu que ça fait 5 ans qu'il est chez toi, oui, il a dû s'intégrer depuis longtemps. À voir ce qu'il y a aussi sur le marché. Rapport que Jimitrovic alors que j'ai aucun rapport sur lui. Lewis Cook, il a full potentiel. Ouais, en milieu défensif, c'est pas mal. Après, box-box, certainement pas. Il manque de technique quand même. Après, mentalement, il est très costaud. Après, 30 à 40 millions, c'est pareil, le prix. Le prix. J'ai de la merde, en fait je l'ai eu en prêt de mai sur 80 filets et après je l'ai pris sur contrat. Ouais, mais ça fait comme si tu l'avais depuis 5 ans. Ça fait comme si tu l'avais depuis 5 ans. Ouais, mais ça a prêté 4 années d'affilée quand même. Ouais, quand même. C'est rare qu'un club pro comme ça prête autant de fois, autant d'années d'affilée comme ça. Ça veut dire que si tu veux le prendre en fin de contrat, tu peux le prendre. Et bah ça t'est arrivé, hein. Et en moyenne, Lens. Ah, 7-20. Ah ouais. Attends, je me souviens plus. J'ai mis titulaire contre Norwich, ouais, je crois. 7-6. Ah ouais.
Mayank. Donc Imanu, je peux de construire une mémoire. Bon, ah, c'est du classique. Hein. Ah, ils ont Alex Telles. Je sais qu'au match aller, il est transparent. Ronaldo, j'ai battu 2-0, je crois. Franchement, ils ont rien fait. Alex Telles. Ouais, je leur prends aussi un gardien. Pour être deuxième, troisième goal. Il a 20 ans, donc s'il peut progresser, ce serait bien. Attends, Alex Telles. Ouais, non, c'est pas un vrai transfert, si? Si, si. Non, en vrai, il est pas là-bas. Il est à Porto, je crois. Bah, attends, j'ai un doute. Est-ce que Alex Telles est à Manu? En vrai, je sais plus du tout. Ça me paraît bizarre qu'ils soient encore à Porto. Si Telles, il est à Manu? Oui, il a Manu, putain, mais je suis con. Bon, bon, ils ont pas fait de recrues. Ils ont pas fait de recrues tout court. Bon, ce qui est un peu choquant à partie, c'est l'entrée à Arsenal. Bon. Merde. Zidane, entraîneur d'Arsenal. Et quoi, City qui a recruté Ferland Mendy. Du coup, ils ont deux Mendy défenseur gauche. Même si l'autre Mendy est en prison IRL, mais là, il est pas en prison. Moi, Giro Zénith, c'est pas mal ça. Alors, bon, ils sont favoris forcément. Nkunku, ouais. C'est Castrovilli qui m'intéresse beaucoup.
Donc ce soir c'est Manu, Newcastle, Wolverhampton, Chelsea, Southampton. Ah si, je pourrais jouer Crystal Palace. Dans cette session, peut-être finir par ce match. Ouais. Ça pourrait être bien de clôturer ce match. En tout cas, n'hésitez pas si du monde sur le chat, sur le live, à venir dans le chat, à venir parler, n'hésitez pas. Sanson revient, il était temps. Bailey meilleur entraînement, c'est bien. Tac. En plus, ce mec pour être très fort sur le match, il est en entraînement, il donne tout. Tac. On avance, on avance. On joue samedi à 15h normalement. Bon, c'est parti. Alors, Sanson peut rejouer 45 minutes, d'accord. Ça va? Ouais, nickel. J'avais un peu zappé l'heure tout à l'heure. Y'a pas de soucis. T'avais déjà lancé live et tout ou t'avais. Quand t'as envoyé ton message, j'avais lancé depuis 2 minutes. Ok, parce que sinon ça fait. C'est stream d'attente quoi. Tu joues qui? Tu joues Manu. Ouais. Si tu les gagnes à l'extérieur, c'est un truc de malade. Je pense pas. Et toi? Jouer West Ham à l'extérieur. Ah, compliqué aussi. Ouais. Bon, croire le petit 1-0 des familles. Ouais, à 91e. Très aiguë, ouais, déjà tout ça, toujours cette petite fracture, mais bon. Ous. Bissouma, Morelos blessé, Mopé blessé. Beltman, il est blessé depuis 3-4 mois, même je sais plus. Ouais, c'est chiant. Webster blessé aussi là. Ça bug pas là? Là, ça va. Mais tout à l'heure, c'était complètement. Ah, c'est normal, j'ai rechargé le thème. Y a rien qui va se faire. Ah ouais, c'est fameux à chaque fois, ça. Ça prend tout. Bon, Tu bah, veux que je m'improvise au milieu de terrain, là? J'aime pas trop ça. c'est parti, hein. On va partir sur ce 11. Là, j'ai 6-7 blessés, quoi. Ah ouais, t'as pas de banc quoi. C'est grand plaçant.
À plus Silvio, merci d'être passé. Hein. Allez, let's go. Puis bon live du coup et Ciao. bon mercato. Alors. Ah, y a pas Déjà Ronaldo? Barrios dans les rapports là, Timber Barrios là. On peut l'avoir pour 8 millions, mais bon. Qui ça? Barrios là, tu sais. J'avais voulu le prendre avec le Verder. Il était allé à Monaco, je crois. Barrelos? Barrios. Il est au Zénith ou je sais pas où là. C'est pas un défenseur? Un milieu de terrain défensif. Zilmer Barrios. C'est un Colombien, je crois. Ah, peut-être. Bon, en tout cas, il n'y a pas Ronaldo sur le terrain. Je connais, si je connais, ouais, là en face. Et ici, il y a Zuma aussi, ok. Ouais, ils ont recruté Zuma. Méfie-toi, hein, c'est fort. Ouais, ils sont bien classés, j'ai vu. Ouais. Ouais, pas penalty. Faut pas commencer la session comme ça parce que ça va pas le faire. Pas vu le titulaire, il m'a marqué. Tout le monde l'a vu, c'est à l'extérieur, faut arrêter. Bon, il y a quand même action. Il se passe rien. Première occasion, la 30e. Ouf, ok, à 0 pour eux. Ouais, des actions à chaque minute là. Et ça bug, ça me casse les couilles. Matika, il te remonte tout le terrain pour perdre la balle. Bière dans la défense. Complicado là. Cet arrêt du goal. Ah, Martinez est très 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 fort en jeu. Enfin, sur cette partie en tout cas, il est très fort. Je prends la sauce. Pareil, ça tient, mais. Ah, je prends 0. Ah, ils font 3 tirs cadrés de but. Cadré que dalle. Je vais finir par me le prendre de toute façon. Ah, bienvenue à tout le monde, hein, bienvenue à ceux qui sont sur le live. Choisis un Oh, peu. pour oh, là, là, là. Et Koh-Lanta, tu regardes plus Koh-Lanta? Non, je regarde plus. Après, ils en font je sais pas combien par an maintenant, j'ai l'impression. Bah, ça marche bien. Je suis ça de loin, mais. Ouais, mais justement, ils en font trop. Je pense. Quand j'étais gamin, je regardais ça tout le temps, j'adorais ça, mais maintenant. Pff. Déjà, ça fait longtemps que ça passe, puis s'ils en abusent, tu sais, ça. J'en sais rien, quoi. Moi, je sais pas. Je pense que déjà quand Brognard va partir, ça va laisser un vide. Déjà, tu vas voir. Bah oui, c'est Ça vrai.
Ça va être différent. problématique. C'est compliqué de passer derrière lui, c'est sûr. T'imagines s'ils mettent Camille Combal là à la place, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est impossible. Ce sera jamais lui. Enfin, j'imagine que. Enfin oui, ou un autre, enfin voilà. Ouais, non, je pense pas que ce sera lui. Bon, fait 0-0, on s'en va. Je suis un peu ilaise dans le changement là, je sais pas quoi faire. On peut à la touche, oh, il marque sur une Je suis un peu touche. indécis, hein. Je sais pas trop qui sont comme présentateurs. Qui pourrait mettre pour faire ça? Bah ouais, je sais pas. On peut mettre Nikos. Faudra qu'il mette un quelqu'un de sportif. Genre Pierre Ménès. Peut-être qu'il pourrait reprendre un ancien candidat, tu vois, genre Claude. Peut-être un Claude, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Je sais pas, hein. Enfin, lui ou un autre, tu vois, peut-être un ancien candidat, ça pourrait être. Margoton. Mundir. Bichante. Chante, ça, je connais Bon bah 2-0, hein. On se fait fister le fion, hein. De toute façon, ouais. C'était prévu, hein. pas. Les trois défenseurs, hein. Trois défenseurs sur 84. Moi, je donne bien. Putain, je viens de me prendre un but, putain. Si je sais Oh convertir leur tir, hein. J'ai autant de tirs que. Je sais pas convertir. Putain, faut que je me remette du but que je viens de me prendre parce que là, C'est pris une dinguerie. Oh bah, mon goal qui fait la passe au défenseur, une passe courte, et le défenseur veut dégager, il dégage dans Martial, but. Ok. Oh là 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 là. Et combien là? 3-0. Ah ouais. Ah, je perds 2-0. Alors, Zitu, je l'ai pas vu du match. Après, la période d'acclimatation un peu. Ce match-là, je le sentais pas, de toute façon. Ah, Bailey Souvenir. Franchement, il y a cru. Putain, quel joueur. On n'est pas ridicule dans les stats, hein. C'est un moment que j'avais pas perdu en championnat, je crois. Bah, contre Norwich. Coup, je vais dire, parce qu'en fait, c'est vachement serré là où je suis au classement. T'as y a pas en jeu là? Je peux prendre 3 places, 3 ou 4 et les faire le match d'après, quoi. T'as Dou Martial, Cette place de merde. il a autant d'avance dans la passe. Comment il peut avoir autant d'avance? Ah, Matic H, dégueulasse. Je vais mettre Johnson parce que Matic H, il me saoule. Bon, bah, ils méritent leur victoire. Hein. Après, j'avais la possession, bon, ça sert à dire. Bon. Bon, bah, allez. Ah oui, il se prend un but à... il marque à la 90e le 2-1. Vince, il se prend le 2-2 à la 94e. Oh, c'est dur. Ça pique pour tout le monde là, dès le début là. Ouais, l'égalisation à 94e. Moi, je perds 2-0, tu vois. J'ai pas eu une seule case pour moi, donc. Le 2-2 là. Oh là 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 là.
4-1, ça fait mal quand même. Non, on va pas rester deuxième, on fait que de perdre et on gagne plus. Même pas foutu d'y être contre Norwich chez nous, donc non, on va redescendre 5-6. Facile. Je vais être juste devant Brighton et ça va finir comme ça. Ou lui me passera devant et je serai juste derrière, enfin. Le jeu m'a fait pas mal gagner, il est en train de dire doucement, gars. Doucement. Tu vas redescendre d'un cran. Il s'est pris 2-2. Ah, contre Brentford, ouais. Oh là là. Ah, les boules. Il croit tenir la victoire, il se fait avoir la fin. Toi, c'est chiant. Match que j'avais pas perdu, ouais. Bah ouais. Il va prendre 15 points d'avance. Ouais, dire je les ai battus. Je crois que je les ai battus 1-0 aussi. Moi je retourne là. Par contre ils ont 52 en diff. Ouais. Je crois que j'ai jamais vu autant. C'est quoi ce diff de malade? Ouais, 7-0 contre Burnley, 5-0, 4-0, oh là là, 4-0, 3-0. 4-0, est-ce que je les avais déjà joués? Je les rejoue à l'avant-dernière journée, ouais. Ah ouais. Ouais, les seules défaites, c'est contre moi et toi. Eh ben, tout à fait logique. Par où ils ont mis des branlées à d'autres équipes. J'imagine pour un diff comme ça... Ouais. Cinquante-deux de diff quand même. Pouh, mais c'est pas fini. Bon alors ils sont à combien de buteurs, enfin niveau buteur. Ouais, Rotet est meilleur buteur de Liverpool. Avec 13 buts seulement, ouais. Salah 12. Bon. En fait tout le monde marque un peu quoi. quinze, huit, sept. Ouais, tout le monde a mis un but. Tout le monde a mis son petit but, en fait. Même le goal, non? Ah non, tu me fais peur. Attends, je crois que le goal a mis une passe D, par contre. Ah ouais. Énorme. Qu'est-ce que tu vas y jouer, Saint-Valentin, tout le monde? Ouais. J'aurais été 3ème, mais du coup, je suis 8ème quoi. 3ème, 43 points, 8ème, 41. Bon, je joue contre les 20ème, mais bon, pareil, je le sens pas ce match. Ramsey a marqué son premier but. C'est bien. Et Wesley a mis son premier but aussi. Bah, il serait temps. Il est pas titulaire à Bruges, lui. Même pas. Van Aken. Il est bon, non? Je crois qu'il est vrai. Il est pas trop mal comme joueur. Je crois qu'il est sélectionné avec la Belgique. Le Van Aken.
2011 à Koh-Lanta. Elle a gagné en 2005. 15 piges, quoi. Bah, j'ai dû voir cette saison-là quand j'étais môme. Ouais, putain. À la fois, pour revenir 70 ans après, quoi. Eh, aussi, j'ai une question. Tu sais pourquoi ça marche pas, le fait que je sélectionne un truc et que je veux le faire glisser avec ma souris, ça marche pas? Ça reste bloqué? Sur le jeu, je parle. Non, sur Streamlabs pour enregistrer. Alors là, je connais pas du tout Streamlabs. Enfin, j'ai jamais streamé, tu vois. Non, mais sur, je sais pas, sur une commande ou sur l'ordi, enfin, je sais pas. Pas forcément qui vient de l'application, mais... Je sais pas, c'est bizarre. Après, tu fasses un partage d'écran ou... Ouais, du jour au lendemain. Bah là, d'habitude ça marche. Et là, j'essaie de. Tu sais, c'est le mini classement que j'ai au-dessus de ma tête là. Ouais. J'essaie de. J'ai fait une erreur de manip et j'essaie de le faire glisser pour le mettre comme il faut et j'y arrive pas. Ça reste bloqué. Ah. Je trouverais, mais. Putain, c'est chiant. Du coup, j'ai pas mis classement lisible là. Parce qu'il est pas cadré comme il faut. Ouais, c'est pas très grave, mais... Non, mais... Ouais, je sais pas. Faudra que je le penche là-dessus. J'ai toujours des réglages à faire sur ce logiciel, c'est... Je peux acheter qu'il y a OBS aussi, mais je sais pas, est-ce que je sais pas lequel mieux... Bah, j'ai téléchargé les deux et quand je me suis renseigné sur YouTube pour savoir qui était mieux, Streamlabs était plus complet apparemment. Ok. Mais il y en a qui disent que OBS c'est bien aussi, donc je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. Parce qu'avec Streamlabs, je crois que t'as des... tu peux télécharger des overlays gratuits. Et pas avec OBS. D'accord. Donc avoir des overlays, je trouve ça plus sympa. Après, le top du top, c'est demander à un graphiste de te faire un overlay personnalisé pour toi, mais bon, faut le payer. Ouais, ça c'est vraiment pour les pros, quoi. Ouais, bon, là, si tu veux te faire plaisir et tout, mais bon, ouais, voilà quoi. Je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte assez cher. Everton, Man U, Leicester, Newcastle, Norwich. Faudrait que je gagne Everton là. Non, en fin de session, j'affronte Vince. J'avais pas vu. Ok. Ah, mais j'ai fait 2 nuls. Bah, 2 nuls contre toi, quoi. Et un petit 1-0 contre Vince. Un gros vol d'ailleurs, mais... Ouais. Il n'y a pas de bol, lui. Ah, clairement.
20 mètres sur les fêtes pour la Talenta, quoi. Ils sont chauds, les mecs. Ah, c'est Wilmar Barrios, Zilmar. Il joue au Zénith. Ouais, moi, dans la partie Bossiga, je me souviens plus de Castrovilli. Ouais, il était énorme. Hyper complet. J'ai dans mes rapports en plus. Sérieux? Donc si j'ai... Je sais plus... Il est très cher, il est trop fort ce joueur. Je crois que si on m'offre pas mal de budget, je me le prends. Il peut jouer à tous les postes, presque. Ah, il est hyper fort, je trouve. Tous ces 10, ça peut se transformer en 12-13 facile. T'en as toujours, hein, si tu veux. Pour même pas 20 millions, je suis sûr que je peux l'avoir. Sérieux, pour 20 millions, putain. À peine. Ah, c'est cadeau. Hein. Ça derrière, je joue en Sanson. Et en box-to-box, c'est nickel. Parce que Zomnin, je trouve qu'il est pas mal. Putain, mentalement, je vois du orange. C'est techniquement qu'il pêche, c'est dommage. C'est très très dommage. Ah bah, je suis toute la défense, ça a vraiment pas été le dernier match. Quoique. Je vais essayer de target. Bailey. Ah, Buendia. Se débarrasser de ses problèmes de poignet. Inc, c'est vraiment de la merde. Je suis désolé. Hein. Et Sanson. Je sais pas, on va laisser Zomnin. 6,83. Ah, 66, ouais. Bon. Écoute. On va le refaire entrer au prochain match. On le fera jouer sinon. Ah, bienvenue Wilfried sur le live, n'hésite pas à venir dans le chat. Et à LB6, enfin LB Best.
Bienvenue à vous deux. Bon, Vince fait son équipe. Allez, c'est parti. On va les écmus, hop. Alors Wilson sans Maxima Fraser, ouais. L'attaque type. Ouais. C'est peut-être plus derrière leur point faible, je pense. Ils sont derniers, mais bon. Faut se méfier. En 5-2. 5-4-1, hein, je pense. Maxima et putain, ça commence. Ah, j'avais dit que ce serait pas simple. Tous les matchs avec ça, c'est compliqué de toute façon ce jeu. Perdre contre les derniers, c'est chaud quand même. Ils ont quoi? Une victoire? Ils ont plus de matchs joués que 2 points, donc dommage. Bien joué. Allez, Buendia. Target qui manque la cible. Ah, me fait pas le coup du 2-0 à la demi-heure de jeu. Ah bah si, ils le font. Putain, mais... Oh! Bon. Ça y est, on n'arrive plus à rien. Depuis qu'on s'est fait éliminer de la FA Cup, c'est devenu très compliqué. Oh là là là. Mais va dessus, Mings! Enfin, je crois que c'est Mings. On met rien dedans aussi. Quand tu gagnes, s'ils mettent toutes les cas, toutes les tirs hors cadre. Putain, c'est pas possible. Là là. Bon. Ça m'amuse même pas, quoi. Par contre, les derniers 3-0, je vois pas ce qu'il y a de... Ouais, 3-1. Ça peut changer quelque chose.
Un tir cadré, une frappe pratiquement. Enfin, un tir cadré, un but, je veux dire. Tellement fatigué de cette défaite. T'as 3, on se prend 3 buts par les derniers, ça fait mal, hein. Allez. Ça fait très très mal. C'est la bouteille et l'entraînement demain. Je suis désolé, mais là, c'est inacceptable. Voilà. Newcastle, c'était 2 victoires depuis le début de la saison. Ah non, on va dégringoler au classement, ça c'est clair. City nous rattrape, ils ont dû gagner leur match. Mais ça, je l'ai dit depuis le début, enfin depuis le début. Ça fait que tu as quelques matchs que j'ai dit ça. Ah non, 0-0. Ah, c'était Chelsea aussi. Va passer derrière Brighton, hein. Regarde là, toutes les équipes à 44 points, je suis à 47. Ils vont tous me passer devant, hein. Même Abba Brighton est 5e, ouais, d'accord. Ça va être compliqué, hein. Alors, attends, qu'est-ce qui va pas dans le truc? Ouais, c'est ça, depuis que je me suis fait éliminer, c'est bof bof, hein. Bon, du contre les Serres, c'est plutôt bien. Je gagne juste contre Burnley. Brighton 0-0, ça va. Arsenal, je perds, bon, normal. Mais c'est là, là. West Ham, je devais pas perdre. Norwich, je devais, non, oui, je devais gagner. Là, 4-1, ça fait cher payer, hein. Bon, c'est comme ça, hein, ce qui fait effet. Par contre, pourquoi il joue mal comme ça, je sais pas. On va maintenir à même 11 et puis on verra bien. Parce que même les remplaçants ne jouent pas bien, donc. Enfin, les remplaçants. Je vais définir à 11 types et puis. Oula, Petkovic, qu'est-ce qu'il veut? Ça n'est pas plus. Allez, voilà. Peut-être perturbé que je jette une bouteille dans le vestiaire. Si je vais définir un 11 type, Target Johnson, ouais, Tonzebe, ce serait plus Konza, il est pas là. Allez, je reviens chercher une bouteille d'eau parce que je commence à sécher de la gorge. Je reviens dans 2 secondes.
ça, ça serait ça. Hein. Ouais, je perds tout. Même contre le dernier. Ouais, tu vois, t'as 5 points de 9ème place. Là. 3ème 44 points, 9ème 42 points. C'est ouf comment c'est serré ce classement. Ah, je vais me faire avoir. Après, ça arrive de... d'avoir des trous. Pas trop chambé. Ouais. Tu gardes ce que tu faisais depuis le début, je pense. Ça va revenir. Ouais, bah non. Tu sais que je suis pas du genre à modifier la tactique en plein milieu de saison. Ouais, mais des fois, tu sais, tu... Ça empire. Tu peux avoir envie de bouger un peu le truc. Hein. Non, je vais garder un 11 et puis voilà. Bah moi aussi, j'ai un skip et puis après, je... Enfin, j'ai un skip quand je les ai, mais... J'ai un recruteur, c'est quoi ce mec? Recruteur Brighton, j'ai pas recruté ce mec. Et bienvenue qui sont sur le chat. N'hésitez pas à venir discuter. Enfin, bienvenue sur le chat, bienvenue sur le live. Ah, je reste tout le temps. Ah, je suis un très mauvais streamer donc ne restez pas. Non, je déconne, faites ce que vous voulez. Ouais. T'as pourtant deuxième à Castonville, là, c'était beau quand même pour une première saison. Ouais. Mais ça va pas rester comme ça. Hein. Après, si tu finis le tableau, ça reste bien aussi. Hein. Ouais, mais tu sais, t'as passé toute ta saison deuxième, tu finis neuvième. Ouais, t'es deg. Au moins l'Europe, même la conférence, je suis content, tu vois. Je pense que c'est européen. Bref. À ce rythme-là, là, les... vu les matchs que je fais. Dis-toi que là, t'as ta mauvaise passe. Ouais, 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 après. C'est pas comme Stuttgart, hein, ça va encore. Oui, oui. Tu sais que j'ai connu des, connu des périodes sombres. Ah non, mais Stuttgart, c'était. Moi, je pense que j'aurais abandonné. Hein. C'est vraiment trop. Ah ouais, t'aurais craqué. Ouais, je sais pas, c'était décision. Bah. La saison, tu descends. Sur la fin de saison, tu remontes. T'as les fresques à te maintenir et tu te maintiens pas. Non, ouais, parce que le 19ème a gagné son match, c'était Lyon-Berlin, je crois. Ouais, il fallait pas qu'il gagne. Ouais. Et je finissais barragiste. Mais je suis remonté direct, une bonne saison de deuxième div, écoute, faut être patient, et puis après, la saison d'après, quart de finale d'Europa League. Enfin, pas la saison d'après, mais deux saisons après. Mmh. Oui, bah ouais, après ça a été. Ouais, parce que l'année de la montée, j'ai fini quoi, 6ème, 5? Je sais plus. Tant que ça? Ah bah oui, j'étais européen. Hein. Ok. J'ai fait quart de finale d'Europa League, éliminé contre, bah, Hertha Berlin. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Mais ouais, cette partie t'es insane. Faut la reprendre un jour. Je l'ai toujours, mais après, il y aura FM22, quoi. Ouais, ouais. J'avoue, je vais reprendre mon verre d'air, là. Même la, même la tchèque, on a moins accroché, mais je l'ai trouvé sympa quand même, tu vois. Ouais, perso, j'aurais bien aimé continuer. Enfin, là, du coup, tu vois, je te l'ai demandé, mais finalement, j'y joue pas. J'y joue quasiment pas, enfin j'ai joué 2-3 fois. C'est mieux à plusieurs. Mais ouais. Parce que là tu vois, c'était la saison... Celle que j'ai commencé tout seul là, c'est là où ça commence vraiment à exploser quoi. Mm. Au niveau de l'Europe, ça aurait été plus sympa déjà je pense. Ouais. C'est le côté trop simple qui m'a un peu décroché du truc quoi, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'on a... Donc elle met un peu comme là aussi. Hein. Ouais. Sauf Vince. c'est pas un jour de première saison, Vince. Non. Il gagne le titre 3-4 saisons après. Ouais.
qui chauffe. Attends, on va revenir de vacances. Parce que l'image est fixe depuis tout à l'heure. Ah, XBC. Oh putain. Bon bah, je perds X sur blessure. Allez, ça c'est fait. Putain. Moi, Morelos, il aurait pas joué beaucoup. Je crois qu'il n'a pas vu beaucoup de buts. Sur le dirige de base, je marque pas beaucoup. Ouais, j'ai pas vu beaucoup fois de buts. Alors, peut-être deux fois. C'est quoi mon meilleur buteur? Peut-être 4 buts, mon meilleur buteur, je pense. Alors, 6 buts pour Trossard. Tu vois, Trossard, il est bon? Ouais, mais tout là, tu vois, je le mets. Depuis que j'ai lancé, du coup, Trossard, je l'ai mis en relayeur en milieu. Ça lui va mieux, je trouve. Ouais. Je fais plutôt mon match. Enfin, c'est parce que Bissouma est pas là, mais. Ah oui. C'est pas mal. IRL Bissouma, il a dit qu'il était le meilleur milieu de terrain première ligne. Ah oui. C'est pour te rendre compte du melon que a le garçon. Ouais. C'était dans. Quand il y avait Kazar et tout sur le canal, quand il faisait les. Tu te rappelles ça quand il faisait les chroniques là. Ouais, ou. Ouais, je vois. Il faisait les doublages des voix et tout. Ouais. Et il en avait fait une. Il y avait Bissouma, tu vois. Ou genre il se prenait pour Paul Pogba, tu vois, parce qu'il avait un peu la même coupe à l'époque en tout cas. Ouais. Et bon, c'était assez marrant, il soutenait bien sa gueule. Genre t'avais ses coéquipiers qui passaient, il disait mais t'es pas Pogba, t'es. Et lui il se regardait et tout, il était là. Ouais. Je regardais pas ça, mais j'avais un coloc quand j'étais étudiant, il regardait ça chaque soir. C'était toutes les semaines, mais ouais, moi j'aime bien. Bah, Kazar, c'est un peu lourd, hein, je trouve. Ouais, ça va. C'est pas le pire, mais. Ce que j'aimais bien, c'était le doublage des joueurs, surtout, tu vois. Oui. Après, la chronique, ouais, en elle-même, des fois, j'avoue que c'était un peu lourd. Mais quand il dit le. Là, j'ai des joueurs, des coachs, tout ça, je trouvais ça pas mal. Tu veux jouer qui après, du coup? Attends, les Wolves. Non. Et toi? Manu. Et donc toi après Manu, t'as Newcastle. Leicester et Newcastle. Ah, on n'a pas tout à fait le même décalage. Ah, les deux là, ça va être. Compliqué, on va voir. T'as vu Arthur Ray, il bosse à plein temps sur YouTube maintenant. J'ai vu un titre de vidéo, ouais. Vlog, ouais. Mais j'ai pas regardé, ouais. J'ai pas tout vu, mais grosso modo, il quitte son taf et puis il monte son setup et puis voilà, quoi. Ok, ok. Bon, c'est bien pour lui, hein. Bah ouais, écoute, le cas lui. Hein. Dit que ça, il dit que ça le fait un peu flipper, mais bon, c'est normal, hein. Bah, c'est un peu instable comme. Ouais, c'est du FM, mais je sais pas s'il va faire d'autres trucs, mais. Je sais pas, il fait que de ça donc. C'est pas évident, FM, hein. C'est pas un jeu où il y a énormément de monde donc. Quand FM 22 va sortir, tu verras, il y aura
plusieurs streamers, il y aura du monde à regarder. Hein. Ouais, mais c'est sur la longueur, quoi. Oui. J'ai vu que l'expérience foot, il est passé à 2 vidéos par jour maintenant. Ouais. Bah lui, pareil, il a arrêté son taf et il fait que de ça maintenant. Ouais, mais 2 vidéos par jour, c'est pas évident, hein, je sais pas. Ah, 2 vidéos par jour? Non. Pas par si, jour. J'ai vu... Je sais pas quand j'ai vu une vidéo ce matin, peut-être. Ouais, il en a sorti une aujourd'hui, ouais. Ou genre, il va en sortir une le matin et une le soir. Moi, bon, t'es sûr? Celle du soir, ouais, je suis sûr. Celle du soir, ce sera toujours les expériences. Et le matin, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que soit... Ah, c'est les rediffs. Soit une rediff de live, enfin, tu vois, montage de live, un truc comme ça. Ouais. Ah oui, ouais. Bah après, rediff, est-ce que ça compte? Il coupe juste le live qu'il a fait, puis après, c'est du boulot, mais... Ouais, c'est un peu le boulot, quand même. Ouais, c'est histoire d'avoir plus de vues et plus de revenus, quoi, je pense. Oui. T'as ça, t'as le partenariat avec OneFootball, la pub, ses vidéos YouTube, il y a Twitch. Ouais, il a dit qu'il allait faire un planning Twitch et tout, il allait faire un planning maintenant. C'est hyper chaud de faire un planning, moi j'en fais pas parce que je sais que je pourrais pas m'y tenir. T'as tellement d'imprévus. Oui, puis toi tu bosses. Bah, après lui aussi il peut en avoir, mais. Oui, c'est ouais, mais taf, c'est son que... taf, ouais. Parce que je regarde les vidéos d'un mec qui est streamer et qui pose des vidéos sur YouTube. Et le mec il dit, il donne plein de conseils, il dit bah tenez-vous un planning, mais il est drôle lui, enfin. Des petits streamers ouais, comme nous, c'est pas possible. Ouais, non, c'est compliqué. En semaine, peut-être, vu que je travaille, bah, je peux faire que 20h30, 23h, voilà, c'est tout, mais... Je sais pas, moi, imagine, il y a un jour, il y a un film que je vois à la télé, il est tel jour, et bah... Voilà, quoi. Oui, oui, tu peux pas, puis tu fais, après, tu fais ça... Twitch, c'est pas mon taf, hein. Oui, ça, tu fais ça pour le plaisir. Oui. Et le week-end, c'est encore pire, parce que... T'as du monde qui vient, c'est un imprévu, une sortie... Enfin, voilà... Ouais, ouais, puis du coup, si tu fais un planning et que tu peux pas... Bah, ça sert à rien, oui. Mmh. L'autre, il donne des conseils pour pouvoir évoluer en tant que petit streamer, mais ça, oui... Ah, en tant que petit streamer, il dit... Enfin, je sais plus s'il dit ça, mais oui, c'est pour avoir plus de... Pour que tes viewers... Pour que tu aies plus de viewers, si tu veux, qui viennent te voir, il faut que tu... Aussi que tu commandes. Que tu streams à peu près aux mêmes heures. Comme ça, tes viewers qui sont habitués à venir te voir, ils savent à quelle heure tu commences. Pareil, ouais, c'est. Pour le coup, il a raison. Ouais, ouais, mais après, c'est pas possible. Si des fois, j'ai envie de streamer l'après, parce que le soir, j'ai envie de me poser dans un film ou. Pareil. Oui. Bah après, c'est. Mais ouais. Il... Après, tu prends. Tu pioches ce que tu peux dedans aussi, peut-être que. Lui, c'est peut-être dans l'idéal, tu vois, mais après, tout le monde peut pas. Tout le monde peut pas faire oui. Comme il faudrait non plus. Moi, déjà, si je suis régulier, c'est déjà bien. Oh, bah oui. Régulier, déjà, c'est. C'est déjà pas trop mal. Après si streamer, ça me maintient, enfin que j'ai toujours envie de streamer au bout de quelques mois, voire quelques années, enfin quelques années. Déjà au bout de quelques mois, je vais peut-être commencer à investir peut-être dans du matos. Ouais, voilà, déjà le plus important, je pense, c'est ta co. Déjà pour la co, j'ai une box qui va pas tard arriver, donc après on verra. Ouais, ça va bien te dire ça. Après, là, la co de ce soir, ça va. Hein. J'ai fait un speed test, c'était pas trop mal les résultats, donc... Ouais. C'est plus caméra, PC, micro. Après, mon micro est récent. Même un siège, hein. J'ai mon siège, c'est nul ce que j'ai. C'est un siège pliable. Ouais, mais bon...
parce qu'on voit pas que. Non, mais c'est pour mon Alors, co- voilà. c'est pour mon confort personnel, c'est tout. Oui. Après, moi, j'aime bien que ce soit carré, quoi. Samson, Akamba. Il est encore suspendu, putain, il est suspendu combien de temps lui? Ça fait déjà deux matchs? Ou un match? Je sais plus. Bref, on va rester comme ça. Target Johnson. Je me tâte. Il vaut mieux faire jeu Matic hein. Je me dis, il est chez nous lui. Konza, il est pas tout à fait encore prêt. McGinn, voilà. Adama Traoré. Ah oui, on joue les Wolves. Baumgart Lindner, d'accord. Un peu bizarre ce transfert, mais. Bon, là, allez, ils nous ont battu, ça j'en souviens. Bon, bah, c'est parti. Là, on joue une fois par semaine, donc on va essayer de laisser l'équipe la plus forte sur le terrain, qui est à peu près celle-là. Enfin, Nakamba qui sera remplacé par Doulasovic, si c'est bon. Et Petkovic qui sera remplacé par Ings. Et le salaud, il marque un but. Alors les Wolves, ils voient pas la lumière du jour. Aïe. Mi-temps. Bon. Ne vous relâchez pas. Hop, 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 hop. Target, fatigué, Johnson, Lens. Tac, Bailey, Trezeguet. Bon. Pour l'instant, ça se tient. Attention à la surprise, on sait jamais. Samson, je vais le sortir en mezzanine. Parce que Samson n'est pas tout à fait revenu à 100% de sa condition physique, donc on va le sortir un peu. Attention au corner. Et voilà. Ça y sort hors jeu, bah donc. Je suis curieux de voir leur jeu. Hein. What? Alors j'ai rien compris au but.
Ça aurait été un petit peu abusé vu les stats, hein. Allez, on retrouve le goût de la victoire. Difficilement, mais on y arrive. Bon, bah, je gagne 1-0. Ah mais je perds. Ah, coup dur. Ouais, c'est pas nous. Ah mais j'ai oublié ici, ce corner. Merde. Merde. Bah mais c'est ça, ils ont trouvé son deuxième, je crois. Comment? Son deuxième Manchester, je crois. City. United, non? Ah, United, c'est 9e. Le Bon, avec 50 points, on finit largement devant la zone de relégation. Parce qu'il faut 40 points à peu près minimum pour se maintenir, à peu près. Donc éviter de lutter pour le maintien, ravi, donc je pense que j'attribuerai les points en fin de saison, mais l'objectif a été Oh, accompli. le premier but d'Orzic. Bon, bon, bon. Quelle patate. Quelle frappe. Attention. Le 2-1. Le but en 4 minutes. Bon bah Vin, ça fait 3-2 contre City, hein, dommage. Hein. Il perd ses matchs contre Léo, mais à un but de différence, c'est... Bon, il va se maintenir, je pense. Il a fait pas mal de victoires à un moment, là. Il a enchaîné les victoires. Ça lui a fait du bien, même s'il a perdu 2 matchs contre des gros. On est retourné 16e, quand même. 4 points de la 14e place. J'ai perdu contre Newcastle, quoi. Oh, bref. Ce qui est fait est fait. Ah ouais, le mec il loupe le face à face. Ouf. Ça marche pas qu'il gagne. Il mérite pas de perdre, Bagnio. Ça marche pas qu'il gagne parce que je sens qu'il va m'en retaper en fin de saison, je sais pas La pourquoi. réussite là. Colcul. Putain, ce que cette passe. Bruno PSV, c'est pas terrible. Oh putain, tiens, à côté. Dommage. 1,8 million, Bruno. Chaud, Merde. À voir, s'il me faut un remplaçant. Bruno, ça m'intéresse. Je dis 0,42 d'XG, ils sont 1,80 quelques. Ah. Ouais, c'est... Faut la réussite.
Ah, c'est bon, il a une semaine de repos, Bailey. Ouais, Chelsea. Bon, bah, Chelsea maintenant. Ouais, bah, je joue Newcastle, je sais pas si j'essaie de le faire comme toi. Ouais, vite. Ouais. J'arrive pas à le faire déplacer ça. Bref, je gère ça en off. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a Rodrigo Palacio en fin de contrat à 39 T'as les vieux? ans. Ouais. Qualité physique naturelle entre 15 et 17, donc ouais, il coûte ça en fait. Et là, je où lui? Il joue en Italie, mais je crois, non, à Inter, ouais. Ah, c'est celui qui a une queue de rat, là. Une queue de rat, je sais pas. C'est Boca, Genoa, Inter, Bologne, Brescia. Rodrigo. Ah, Rodrigo Palacio. Ah, c'est lui. Si, il avait une queue de rat, une mini mèche de cheveux derrière, enfin tu vois ce que c'est. Il avait ça. C'était son signe distinctif. Ta Martinez est énorme en jeu. On clean sheet quand même. En première ligue, c'est quand même pas mal. Tellement resté longtemps à Arsenal, toute sa carrière à se faire prêter. Ricardinho, 19 ans, pourquoi pas. Le petit prodige brésilien, il y en a beaucoup. Oh, yeah. Tac.
très bizarre, j'arrive à dépasser aucun de mes trucs. Putain. J'ai dû activer un truc ou désactiver et puis... C'est bizarre quand même. J'aurai ça demain, tête reposée. Demain, je ne streamerai pas. Je streamerai sûrement jeudi. Si je stream déjà 4 fois par semaine, mardi, jeudi, samedi, dimanche déjà, c'est pas trop mal. 3 à 4 fois par semaine, c'est déjà bien. Enfin, je trouve du temps pour finir la saison avec Sunderland. Faut que je trouve 3-4 sessions avant le prochain FM. L'objectif, ce sera de les faire monter en première ligue et puis on arrêtera là, je pense. La bêta sort dans 3 semaines. Ouais, même. Bah ouais, même si je peux le finir en 3 sessions, ce serait bien aussi. Parce qu'une fois que je serai sur FM22, je serai que sur FM22. Le 21 sera fini. Enfin, quoi que. Je verrai bien. Je verrai bien sur le moment. J'aurais tellement envie de jouer au nouveau FM que. Jouer à l'ancien, tu vois. Quand t'as joué au nouveau et que tu repasses à l'ancien pour faire une partie, c'est compliqué. Ouais, je sais pas pourquoi ça bug sur Streamlabs. Qu'est-ce que j'aurais activé ou désactivé les options? Ça m'a pas fait hier ça. Enfin hier. Avant-hier plutôt. C'est pas là-dedans.
jeudi à Belgique-Croatie. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je compte les numéros à FIFA. Ouais. Les mecs n'ont rien gagné depuis 1000 ans, mais ils sont en numéro 1 qu'à ce FIFA. Ah oui, ils ont toujours le seum. Quand j'ai vu Lukaku, ça fait un peu peur en ce moment. Ouais, mais j'allais dire non, on a Giroud, mais on l'a plus, mais on se comprend. Les comparaisons. On a Benzema, nous. Ouais, c'est sûr. Petit Louis Barry, pas mal. J'aime beaucoup. Lui, Ramsey, c'est pas mal. Tac. C'est très bizarre. Ouais, je peux juste dépasser. Ouais. Alors là, je sais pas d'où vient du tout ce bug. Bon, allez. Moi, tu l'as à venir la game ou quoi là? Chelsea 11ème, ouais, chaud. Tourelle, je sais pas si c'est fait virer, je ne crois pas, ça va pas tarder. Ah, le poste d'entraîneur de Tourelle menacé, ah, détends. Ah, Tourelle est enfin menacé de son poste. Ouais, quand même. 11ème, oui. Et Rafa Benitez d'Everton. Ok. Bon. Je vais prendre Chelsea, puis comme ça, j'aurai pas mal de sous. Ouais.
Allez, on y est presque. On y est presque. Ouais, bon, lui il s'améliore, mais il a 2 étoiles de potentiel. Qui se shoot avec ça, lui c'est pareil. Après, il peut être pas mal pour des divisions 4 ou 5. Il a un bon. Lui il a un bon. Une bonne déter. Bonne finition pour attaquant. Merde, j'ai fait de la merde. Ah. Je réglerai ça plus tard. Ouais, je pense qu'on va se faire ce match-là, Southampton, et on va s'arrêter là, je pense. Partir sur la même équipe, non, on va mettre Douglas Suisse. À sortir. Voilà, c'est Johnson parce qu'il peut jouer tous les deux côtés. Mais Lens, putain, il a des bonnes qualités quand même. Je trouve. Est-ce que je remets Konsa? Oh, est-ce que j'ai Stone, c'est pareil. Je sais pas. J'ai jamais eu vraiment de défense centrale type. Attention, il y a des flèches qui montent. Je pense que Konsa, ça sera intéressant de le faire jouer quand même. Je pense qu'il peut être pas mal à la fin. Il est bien complet. Après c'est Chelsea, Tonzebe, il a une bonne condition physique. Non, on va laisser comme ça. Allez. Timo Werner, Pulisic, Ziyech, Havertz, Mount, Kanté, Azpilicueta, Thiago Silva, Luis Felipe, James, Kepa. Sens qu'ils ont Carlos Soler sur le banc, ils ont récupéré Douglas Santos que j'ai été dessus, défenseur gauche du Zénith, qui est pas mal. Kovacic, très bon milieu de terrain. Voilà quoi. Bon,
voir ce qu'on peut faire. Hein. Ils sont 11e, faut en profiter, on est chez nous en plus. Si on gagne, ça serait dans la logique des choses, hein, dans la forme qu'on est dans la saison là. 5 tirs à 0, voilà. Et je pense que si Tourelle ne gagne pas ce match, il se virait, je pense. Alors, est-ce qu'on va faire virer un entraîneur? On la récupère en tout cas. Et on la repère. Bon. L'action dure beaucoup trop longtemps. Ça sent le but pour une équipe. Rhys James, qui a la peau blanche dans le joueur que... Il est noir, oh là là. Pouh là là là. Sur un seul tir, et ça continue. Ça me saoule, ces trucs comme ça. C'est fatigant. Des adversaires qui marquent sur un seul tir. Et moi, je vais mettre 5 moments clés à marquer un but. C'est fatigant. Bon. J'ai rien dit, j'étais une mauvaise langue. Oh là là, c'est quoi cette passe? Timo Werner qui marque avec Chelsea, c'est... on n'aura jamais vu ça. Ah, oh, mais Douglas Luiz, ça, oh non, c'est pas possible. Ah, ça, c'est le genre de truc, ça me... il va aller sur le banc. Ah, ça, c'est... putain. Ah, c'est chiant, ça. Deux tirs, deux... J'ai honte pour Chelsea, hein. Putain. Putain. Je gare contre Chelsea alors que je devrais même pas. Je pense qu'on peut jouer en offensif. Ah, cette défaite ne m'arrange pas du tout. Ah, voilà. Je reste en offensif parce qu'on est bien largement supérieur à eux. Par contre, j'y pense, Lukaku, il joue pas, lui. Il doit être blessé. Le bel va sortir. C'est son seul défaut, je trouve. Il se crame très vite. Hein. À moins que ce soit ma tactique intensive qui le fait qu'il se crame vite, mais... On n'a rien vu. Alors comme ça. Bien joué ça. Oh là, oh là.
Non, c'est hors jeu. Oula, c'est trop, ouais. Ah, il l'accorde. Incroyable. Première fois que ça m'arrive. Ou deuxième fois. Franchement, c'est extrêmement rare qu'il l'accorde à... Que la VAR accorde le but dans le jeu. Extrêmement rare. Ça va être la deuxième fois que ça a dû m'arriver cette année. Par contre, je reste en offensive, je suis en cinglé, moi. Ouais, ça tire. En tout cas, on mène 3-2. Incroyable. En même temps, regarde les stats, s'il te plaît. Je les ai défoncés. Pauvre Kanté et Bartola. Heureusement qu'on gagne. Ouais, victoire 3-2. Ah, bien joué. Ah, Chelsea, c'est 3 tirs de cadré hein, le match. Ah oui, quand même. Pas fou. Et chose incroyable, la VAR m'a accordé un but. Sur quoi? Sur un hors-jeu litigieux, mais ça t'a accordé. C'est très rare, ça m'est jamais arrivé, hein. D'habitude, l'arbitre, Je sais pas si ça va arriver non plus. Hein. il annule le but, là, généralement. C'est vrai. Enfin, généralement, tout le temps, mais... Ouais, je crois pas que ça me soit arrivé aussi, je pense. Ah oh, ouais, Lukaku. Ouais. Le Newcastle, il touche pas une bille. Hein. T'as Lukaku, il jouait pas, ouais, il était blessé. Putain, les stats qu'il a, c'est monstrueux. Ouais. Je vois 20 en puissance, 20 en équilibre, oh putain. T'as Morelos qui m'a tiré un penalty, il a tiré à côté, quoi. Ah bah ça. Putain. Faut faire tirer les gardiens, ils tirent mieux limite. Ah, c'est ouf. Dans ce jeu, les penalties, c'est dur à les mettre, hein. Il a des super stats. J'ai 3 17 dirigés, quoi, j'ai que 2 buts. C'est pas mal, mais 3-3. Ouais, tu les as bien défoncés, quoi. Ouais, non, il y a que 2-0, moi, tu vois. Ah, tu gagnes. Ouais, c'est 27 tirs, 7 cadrés, quoi. C'est pas ouf. Ouais, Vince s'est gagné aussi, hein, impeccable. Bon, dommage que t'as pas perdu, quoi. Je t'entends le compliment. Merci. Tu joues qui après là? Southampton. Ah, ouais, tu perds là. Et là, toi, c'est Leicester? Norwich, mais je sais pas, les listes, ça a été Norwich. repoussé. Ah, ok. Bah, peut-être qu'il joue l'Europe ou le la Coupe. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, Southampton extérieur. Ah, ça va être dur. Ça va être très dur. Alors, on reste sur deux victoires. Deux belles victoires contre Wolverhampton et Chelsea, c'est pas mal. Bon, Mwenja, il a mis deux buts. Je sais même pas que j'ai même pas vu. On est 3,50 pour Arsenal, ils sont bien montés là. Ils sont 3e, ils étaient. Ouais. Une petite tableau pendant un temps, je crois. Ça change de la réalité. Ouais. Comme quoi, avec un vrai coach. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils sont Zidane, ouais. Ouais. Alors, juste une image qui marque pour son deuxième match d'affilée, là. Ouais. Ça y est, il commence à être acclimaté, là. C'est vrai que le premier match, c'était pas ouf. Alors, faut le temps. Ouais, faut... Quasiment une demi-saison, je pense. Faut se faire la tactique, coéquipier, tout ça.
là, j'ai un basilien. Ah, pas de basilien, c'est quoi ce joueur? MS. Dumfries, ah ouais, c'est vrai. Si je peux l'avoir. Bah, de mémoire, je croyais que 10 millions c'était bon. Ah ouais. Putain, Dumfries. Je vais avoir Dumfries pour 10 millions. Putain, j'ai un voisin, ça me met vers les 20 millions. Ah. Après, je ne cherche pas de titulaire. C'est cadeau, je peux aller le 7 killer, mais. C'est pas mal, non? Le Freeze? Ouais. Oh, bah, carrément. Putain. Si j'ai un bon, si j'ai un bon budget, si j'ai Castrovilli, Dumfries, déjà. Et si l'attaque, elle bouge pas trop. Ouais, pareil, oui. C'est encore autre chose. Parce que tu l'entraînes à finition. Oui. Une définition, ce joueur. Il y a 18 de finition, mais à part ça, tout va bien. Technique, il a combien? Je sais pas, je vais voir. Peut-être que c'est sa technique, des fois, qu'il... 15. Ouais, non, ouais, non, une bonne technique. Non, non, il est bon partout, il a juste 10 en placement, 3 en touche longue, 8 en corner, et voilà quoi, sinon il a au moins 11 partout. 4 en corner et 10 en coup franc, et 8 en marquage, donc c'est pas ce qu'on lui demande. Ouais, mais ça c'est... on s'en fout de ça, c'est... Tourelle renvoyée, ouais c'est... Je l'ai fait renvoyer. J'ai... Prochain trailer, ça c'est avec Solskjaer et Benitez, ouais. Sampaoli pourrait remplacer Tourelle. Attention. Ouais. Sampaoli, Gattuso ou Villas-Boas. Oh putain, Sampaoli, Gattuso quand même. Oh putain, les sanguins. Les pitbulls quoi. Ouais. Tu fais venir Joey Barton en entraîneur adjoint, là c'est bon. Ouais, laisse tomber. T'as le king du match, t'as clé à la gorge. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui reste vivant. Ça va. Je sais pas s'il faudrait qu'ils intègrent les cartons jaunes et rouges pour les entraîneurs. Dans le jeu. Ah, dans le jeu, c'est vrai, dans le jeu, il n'y en a pas, ouais. C'est vrai que... Ah, mais après, comme... Genre tu peux gueuler sur l'arbitre pour foutre la pression ou et que ça peut marcher ou pas, et si tu fais trop, tu vois, tu peux prendre un jaune voire un rouge. Ouais. Après est-ce que c'est vraiment intéressant? Bah le but c'est d'être entraîneur donc je sais pas. C'est le côté réaliste quoi, c'est tout. Ouais. Je pense pas que j'utiliserai ce genre de truc mais ouais. Non mais c'est des petits détails que je pense. Parce que. Le jeu, ils ont pas annoncé de grosses nouveautés cette année pour l'instant. Je sais pas, mais j'ai vu qu'Arthur il a fait une vidéo sur d'autres nouveautés. Ouais. Bah. J'en avais vu une où il était un peu sceptique sur le jeu à cause des nouveautés, entre guillemets, quoi, sur le trailer. Et là, il est sorti une deuxième vidéo, je l'ai pas vu par contre. Ouais, pareil, la première, je l'avais vu, je crois, mais la deuxième. J'ai vu celle où il avait interrogé Gourou, là, il a fait interroger Gourou. Ah oui, oui. Qui était plutôt pas mal, je crois, trouvé. Il le piquait pas mal, d'ailleurs, Gourou. Sur le fait qu'il répondait jamais vraiment aux questions et tout. Ouais. Bah, pas mal disait que. Il fait un peu des réponses de politicien, tu vois, c'est. Ouais. Apparemment, il enjolivait un peu le truc, enfin, il. Genre il disait pas ça c'est pas bien le jeu, il descendait pas le jeu quoi. Après il est ambassadeur. Hein. Oui, il peut pas non plus... Bah oui.
passer de langue de bois ou je sais pas quoi qu'il y en a à y trouver. Il est obligé d'enjoliver. Ouais. Je peux pas dire c'est de la grosse merde. Bah je oui. me saigne des... Je bosse pour des bouffons. Bah non, il est l'ambassadeur d'un jeu qui. Voilà, que n'importe qui voudrait être à sa place. Hein. Ouais, il est obligé d'être. Je l'avais vu, moi, son interview sur Bein Sport. Je sais pas si ça te parle. Ça me dit quelque chose, mais... Bon, il doit être sur YouTube, ça parlait des FM. Hein. Ouais. Sur ligne, il y avait une chronique avec... Break... Break, là, et... Avec stream avec Boss Granek, là. Ouais. C'est un truc qui se chronique e-sport ou je sais pas quoi là. Ah bon? Il me semble. Hein. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que j'ai vu ça. J'ai vu ça il y a longtemps. Je sais pas si c'est toujours l'actualité. Mais... Ça me dit rien. Ça me... Après, Bruce, il joue de temps en temps, il fait une partie avec Nantes chaque année et puis c'est tout. Je vois pas pourquoi il fait une chronique là-dessus. Non, non, mais c'était une sorte d'émission, tu vois. Ah oui. C'est sur le... Je crois que c'était le... C'est peut-être pas que du foot. Hein. Ah, ça me dit rien. Plutôt sur le sport en général. Bon, hein, Bruce, quand il joue à FM, il amène du monde, quoi. Ouais, bah oui. Que ce soit Léo Domingo... En gros streamer, il y a que qui joue à FM, je crois. Ouais, il me semble. Hein. Il y a Zach Nani aussi un peu. Là, ça me dit quelque chose. C'est avec bah, c'est un joueur code avant. Le petit. Ouais. Il fait du multi. J'ai regardé quelques-unes de ses vidéos. Il fait du Warzone, non? Je sais pas s'il fait du Warzone. Je crois que c'était où je crois que je jouerai jamais. Hein. Carrément. Ouais, le peu de stream que je regarde, c'est du FM. Hein. Mais il fait du multi, ils sont trois à chaque fois. Mais il y a Kameto avec lui à chaque fois. Tu connais Kameto, je pense. Ça se trouve, j'ai vu de visage, mais là, tout de suite, non. Ouais, tu connais forcément. Je pense. Il y a Kameto, puis un autre. Le troisième, je sais plus son nom, mais à chaque fois, ils disent que c'est un tricheur, parce que déjà, il prend le Barça. Ouais. La partie, c'est que Tani, il avait Atlético, Kameto, il avait le Real, et l'autre, il avait Barcelone. Ah, ça me dit quelque chose, cette partie. Et il faisait, mais n'importe quoi, enfin, il avait des résultats désastreux avec le Barça, quoi. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, il changeait tout le temps la tactique, il changeait tout le temps plein de trucs. Ah, il va là. Je sais quoi, il recrutait des joueurs de ouf, tu vois. Et Ça me dit que. Je... La première partie qu'ils avaient faite, apparemment, le mec. Il recrutait masse gros joueurs et tout. Je sais pas, ils étaient là, mais comment tu fais? Et Zach Nani, avec l'Atletico, première saison, il a aucun budget, tu vois. Oui, bah, je crois que c'était sur le Zach que j'étais tombé 2-3 fois avec l'Atletico. Ouais. Lui, il avait zéro budget, et puis t'avais les deux autres avec le Real et le Barça. Budget limité. Ouais, petite déco, je sais pas ce qui s'est passé. Tac, c'est revenu. Norwich, tu vas jouer qui là? Southampton. C'est vrai. Je fais ce match et puis j'arrête après. Ouais, ça va. Le boulot me tue. Ouais, je baille aussi, tu vois. Jonathan Caleri, Sporting.
On va mettre Konza, Sanson Douglas 8. Douglas 8, j'oublie un peu ce qu'il a fait parce qu'on a gagné et puis on. Cucurella, il progresse, il va être fort. Il serait mieux peut-être en box-to-box, lui, en Un peu de fait. technique, mais à 22 ans, il a un mental de incroyable. Hein. Ah, il est bon, lui. Cucurella. Oui. Tac, la compo est faite. C'est vite vu, hein. Petkovic, deuxième attaquant, parce que Ings est blessé. Bonja Biele, c'est intouchable. McGinn, Watkins, pour l'instant, ça vaut pas trop le coup. Hein. C'est de la rotation. Sanson Douglas Wills, ouais. Sanson, on attend de voir qu'il revienne bien. Contre ça, je vais le mettre titulaire. Place de Tonzebe, Moi, j'avoue, je ne fais plus trop tourner. Hein. vu que Tonzebe est prêté, Vu ouais. que j'ai un match par semaine. Ouais, pareil. Puis Matic cash target. Ok, on va faire un peu d'équipe. Ce qui est con, c'est que c'est maintenant où j'ai tous mes joueurs qui reviennent de blessure. Pas de bol, ça. Là où j'avais moins besoin de tous mes joueurs, quasiment plus. Ouais, dernier match de la session, les gars, puis après, je vais y aller. Prochain live, sûrement jeudi soir, 20h30. Je pense qu'on aura fini la saison, pas le prochain live, mais le live d'après, je pense. Théo Walcott, ah oui, quand même. Genepo, je pense qu'il peut être intéressant à recruter. Salisu aussi. Ou Salisu, je sais pas comment on dit. Ce gars-là, merde. Il a failli venir à Rennes. Mais il a signé à Southampton. Pas cet été-là, mais c'était l'été d'avant. Dommage. Récupère. C'est bien. McGinn. Oh, le dribble. Bien joué. La frappe ne trouve pas le cadre. Débute pas trop mal le match. Ça va. J'avoue que moindre faux pas, on risque de descendre de notre deuxième place. Derrière, ça nous colle au cul. Voilà. Oh non! Oh la balle piquée. Sur la barre. Putain. Ah, oh, je l'ai vu dedans. Ah, d'habitude, j'aime bien les petites balles piquées dans le jeu là. Mais là, ça passe pas. Alors que j'ai cru qu'il allait dribbler le goal, alors il avait plus qu'à le pousser la balle, mais non, il fait une balle piquée. Tu vois, et là on va se faire avoir. Contre ça qui fait un bon match, alors que physiquement il est pas tout à fait prêt. Ouais. Voilà, c'est lui qui lâche le marquage là. Faire attention. Bon mi-temps. Enfin, je suis en avoir apprécié le résultat, mais bon. C'était pas trop mal, mais c'est dommage, on mériterait de mener un but. 1-0 à mi-temps, ça aurait été nickel.
La tête, ouais, bien joué, Bailey. Le dribble, allez, tu l'as dribblé, t'es tout seul. Voilà, cette fois ça Je passe. suis dominé contre Norwich là. Ah, ils m'ont battu eux. Ouais, je crois. Rashica va te mettre un triplé. Ah non. C'est la famille, Rajika. Ouais, C'est ça. enfin, t'as voulu t'en débarrasser, hein. Ouais, bon, il était pas content de partir non plus. Mais... Ouais. Pourquoi je l'ai vendu d'ailleurs, je sais plus. C'est lui qui voulait partir, je crois. Je sais plus. On va sortir le quatuor offensif. Hop, hop, hop. On sort les plus cramés. Je sens que ça va être compliqué. Sont plus récents que moi. Bon. Bon, mauvais dégagement du goal, c'est très bien. Oh putain, j'ai cru qu'il allait perdre la balle. Petkovic. Yes, McAllister, putain. Putain, tu me colles au train. Ils se sont arrachés là pour. Il y a eu deux duels de la tête. McAllister qui l'avait à fond. Sanson, Traoré, Bertrand Traoré, le dribble. Oh, magnifique, dommage. Franchement, si on se lisait alors qu'on a montré quand même pas mal de bonnes choses, ce serait dégueulasse. Non, c'est bon, 1-0. On gagne nos matchs avec un but d'écart, mais on gagne. Bon, on finit ce live sur une victoire, très bien. Nickel, nickel. Tac. Crystal Palace 3-1. Bon, il gagne aussi. Bah, tout le monde gagne. Hein, pour l'instant. Brentford qui bat Match nul, City. ils sont cramés. La Brentford qui a battu City, incroyable. Eh oui. But à 89ème. Newcastle qui gagne Ils sont leur chauds. 4ème match de la saison. Les relégués se... enfin les relégués, les... le bas de classement se réveille. Ah, City 5ème, hein. Ah, les gars, faut le presser, vous faites quoi? Guardiola, il est encore là, mais bon. Oh là là, une casquette. T'as Brighton 3ème. C'est quoi ça? Bon, ça prouve un peu que le jeu est facile quand même, hein. Un tout petit peu. Après, on peut vite redescendre, mais quand même. Il nous reste 9 matchs. Et encore, Anto, lui reste un match en retard. Il peut m'égaler. Ça va être très très chaud. Il me reste qui en gros? Il reste Tottenham, Liverpool. Oh putain. Ces 3 matchs-là, ils vont être très compliqués. Hein. Plus Leicester. Il me reste 4 grosses équipes, grosso modo. J'ai serré les fesses là. En fait, j'ai pas vu, mais t'as un match de retard par rapport à moi. Du coup, si tu gagnes ton match en retard, tu m'égalises. Ah ouais? Ouais. T'es Ok. Je 3ème là. suis troisième, ça c'est nimp. C'est n'importe quoi. Ce jeu est Et trop lui qui va simple. faire un gros match, le 7-6 là. Il m'a sauvé les fesses là. Ouais, c'est pas possible qu'on soit 2 et 3ème. Y a que Vince Voilà. qui reste réaliste. Ouais. Je sais pas, il devrait mettre des niveaux de difficulté, je sais pas, un truc en plus. Hein.
Bah, mets-toi en sans diplôme et en réputation plus bas, tu vas voir. Oui, mais Là, tu vas en chier. c'est pas réaliste par rapport au type d'entraîneur que t'as dans Oui, ces équipes-là, quoi. Il pirate pas le premier mec qui croise dans la rue, quoi. Wesh. Donc, Tu voulais être entraîneur de City? Vous allez. gagnerez 5 millions par mois. Je vais réfléchir. Ouais, ça me donne après le classement, ouais. Il est serré, mais ouais, je sais pas, c'est bizarre. Allez. Tu vois, Chelsea, Tottenham, 10-11e. Bah, Il est où, huitième? on doit être à leur place et eux à notre place, hein, clairement. Ouais. Voilà. On devrait même pas être à leur place, on devrait être en dessous. C'est nappe. Ou alors on a une tactique cheat qu'on a trouvée sans le vouloir et puis voilà, ça marche. Ouais, mais même, ouais, je sais pas. Ça se fait comme avec en République tchèque. Hein. Parce que même en Bundesliga, c'est pas venu aussi rapidement les résultats. Ça a mis un peu de temps. Avec le Verter, ça marchait bien quand même. Ouais, mais t'étais quoi, 5e, 4e? T'étais pas en plus deux ou deuxième ou premier quoi. C'était moins choquant. Enfin bref. Et puis Verder, c'était plus fort que Brighton en comparaison, non? Ouais, je sais pas. Par rapport au niveau du championnat, non? Ouais, oui, si tu prends pas pour le championnat, ouais. À quelque chose près. Mais bon. Il nous reste 9 matchs. Ah ouais, c'est la bourre là pour la deuxième place. Bah, voilà, ouais, j'y suis depuis. Peut-être bien 12-13 journées faciles. Je sais pas, t'avais, je sais que t'avais 9 points d'avance à la dernière session. Ouais. Ouais, j'ai eu une période creuse et puis. Je crois que t'avais jusqu'à 12 ou 13 points d'avance. Par rapport à moi. J'y suis depuis 16 journées. Ouais, c'est Donc, incroyable. Moi, je remonte petit à petit. Hein. bah ouais. Ça grappille. On va faire Ouais, du coup. le gain de pain, le gain de pain, le gain de points, pas Vince. Bah, Vince, enfin, c'est quand même mieux qu'au début, quoi. Ouais. Bah il va réussir l'objectif des dirigeants, puis c'est tout. Au début, il n'arrivait pas à gagner de match, en fait. Ouais, et puis il a bien recruté, je trouve, Bazouer, Mironchuk C'est et Loftus-Cheek, ouais, c'est pas mal. 4, 6. Si t'as dit dernier match, il en gagne 5. Oui, Il y en a ouais. là. Mais je pense qu'il a claqué tout son budget. Ah, il a recruté Haribo. Qui ça? Joe Haribo. Alors là. De Glasgow Rangers. J'étais dessus et il demandait super cher. Haribo, attends, tu vois ça, je sais pas qui c'est. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Bah oui, je sais, mais. Haribo, Ah, c'est un poste. Aribo, Mutin. Bon, il est pas mal, mais estimation du coup entre 18,5 millions et 25. Pourquoi je vois pas dans son effectif? C'est dans le centre de transfert, il est pas encore chez lui. Ah, ok. Et son petit Eze, il a l'air pas mal. Hein. Ouais. Eze, je sais pas comment on dit. Je pense qu'il va essayer de trouver un autre goal et chloupe à gauche, ça va être Je vois juste. pas arriver. Bah, transfert sans transfert arrivé. Ou tous. Je vois Mironchuk, le Loftus Cheek là. Non, pas historique des transferts sans de transfert, des transferts. Donc. Putain, mais il avait combien de fric? Après, il a vendu qui? Il a vendu que Jordan Ayew. Hein.
Ah, 19 en contrôle de balle, Ribou, là. Ouais, bah j'ai son rapport complet donc. 19 en contrôle de balle, 16 en dribble et ensuite c'est des. Il y a des 15 en physique. Ah, c'est un bon joueur, hein. Après il est pas mal. Bah, après j'ai un bon rapport mais. Je pense qu'il y a mieux que lui au niveau du prix. Il est trop cher je trouve. Je sais pas, je vois pas le prix. Dans l'historique, ça y est, attends. Je l'ai fait. Merde. Putain. Et il était pas libre, hein, je crois pas. Hein. Sinon, j'aurais vu. Hein. Je sais pas, y a pas le prix sur cette affiche encore. Je pense que s'il était libre, je l'aurais vu et j'aurais essayé. Mais pourquoi il apparaît pas dans son historique de transfert, je comprends pas pourquoi c'est comme Non, ça. parce qu'il n'est pas encore chez lui. Parce que le transfert s'effectuera l'été prochain. Non, mais il apparaît pas déjà du coup. Non. Ça, j'ai des jeunes de la Joxer. Ok. Ils ont un Brésilien, un Français? Ah oh, ouais. D'accord. Bon, moi, je vais stopper. Yes. Bon, allez, à jeudi, normalement. Ok, vas-y. Bonne soirée. Ah, bonne soirée. Ciao. Bon, allez, moi je vous laisse. Merci à ceux qui sont passés sur le live. À ceux qui sont restés quelques minutes. C'était sympa. Et puis on se donne rendez-vous jeudi 20h30 normalement. Je vous redis ça sur Twitter, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter aussi pour être au courant des lives en avance. Donc voilà. Allez, à plus tout le monde.